Ok. Alors. Non, tu dis. Ouais, on utilise ça. On va pouvoir l'augmenter ou pas. J'ai rien dit. Le flingue. On a celui-là. C'est quoi ça, ombre de lune? Ouais, mais c'est le très lent là. Non, on garde semi-automatique. Ok. Je pense qu'on est bon. Non, ça c'est pause. Moi c'est la map que je veux. Ok. Explorer, essayer de trouver. On peut faire ça peut-être. Peut-être. On peut peut-être faire ça avant de. De continuer l'histoire principale. On va voir un peu. Par contre, faut vraiment que je me rappelle des touches. Ok. D'accord. Merde, pas pause. C'est où exactement? Ah oui, bout de bois. Monte, monte, yes. Ouh. On a eu des papiers, du tissu. Où est-ce qu'on va? Donc, zone non identifiée. Ça va. Ah oui, on avait testé, c'est le truc avec le bateau la dernière fois, on avait testé un peu. Mais on l'avait pas fini. Hein. Une sorte de chambre funéraire. Sorte de chambre funéraire. Faudrait que Kratos ait. Un panier en argent. C'était sûrement un objet de décoration. Mais quelqu'un s'en est servi pour transporter du grain. Ouais, enfin, il y a 4 tiges de grain quand même, c'est pas beaucoup. Hein. Faudrait que Kratos et Lara Croft fassent un duo. Ça serait pas mal. Magnifique. Ça c'est fait. Ah. Quelqu'un s'est introduit ici à la faveur de la nuit. Il a rempli ses poches de pièces. Renversé des jarres d'huile et de vin, et il a même manqué de respect à ceux qui sont inhumés ici. Je suis consterné à l'idée qu'un des nôtres puisse être dépourvu de cœur au point de profaner ce lieu pour s'approprier de basses richesses matérielles. Nous devons trouver un moyen de protéger cet endroit, même contre nos propres frères. Yes. Je peux utiliser l'autre bobine pour rapprocher le radeau de l'île. Merci Lucie pour le l'hébergement. Oh.
on est bloqué. Cool. On peut couper. Ouais, on peut couper. C'est bon. Oh la vache, comment ça penche. Des pièces pour le passeur. Lis. Nous sommes peut-être loin de chez nous, mais cela ne fait pas de nous des barbares. Ok. Hop, c'est à moi, c'est à moi. Il y a peut-être un autre radeau pas loin. Oh. Il est bloqué. Ah, ok. Sympa. Pourtant, j'étais accroché. Faut peut-être le faire plus vite, du coup. Merde. Faudra le faire plus vite. Quelqu'un. Je peux utiliser l'autre bobine pour approcher le radeau de l'île. Oui. Chut. Je t'ai pas demandé. Non, coupe. Tu veux pas couper ? Oh la vache. Encore que ça ralentit, hein, parce qu'à la manette, laisse tomber. Nous sommes pièces pour le passeur. Mais du coup, on l'a perdu, lui, le bateau. Non, il revient. D'accord. Ah merde. Elle voulait pas s'accrocher. Je dois faire un truc pas bon. Je dois faire une mauvaise chose en fait. Qu'est-ce que... On va voir ça. Quelqu'un. Oups là, non. Des pièces pour le passeur. Nous sommes... Lara. Hein? T'es... Hein? Ok. Est-ce que je peux ramener celui-là?
putain. Ok. Souris. Ok, ça va, j'ai compris. On va passer à la souris parce que j'y arrive pas avec la manette. À moins que ça soit pas la solution, mais là ça marcherait bien, il faut juste mieux tirer en fait. Quelqu'un. Je vais voir un peu. Oh la sensibilité, elle est horrible. Oh. C'est horrible. What? Ah, la visée, ok. Ma faute. Un peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est pas ça encore. C'est là que je vais me louper à la souris aussi, putain. Ah, ça va. C'est quoi pour ramasser les sols? Des pièces chose pour le... Nous sommes peut-être... Peur. Pas couper. C'est quoi pour couper? J'en sais rien. Il y a une manivelle sur ce radeau. Ah, il y a une manivelle sur ce radeau. Ah, une manivelle sur ce radeau. Non, pas ça. Mauvaise touche. Ok, je crois qu'il faut que je m'accroche tout simplement à la corde en fait. Ou je m'accroche ou alors la manivelle, il faut faire quelque chose. En tout cas, ça marche mieux avec la souris. Quelqu'un. C'est marrant qu'ils disent pas les touches sur PC. Oh la vache. Nous sommes pièces pour le passeur. Qu'est-ce que... Mauvaise touche. C'est X qu'il fallait faire. C'est pas Y.
Quelqu'un. Ta gueule. Ça y est, je suis énervé. Des pièces. Nous sommes peut-être loin pour le passeur. Pour le passeur. Ok. Et tu veux faire quoi là? Quoi? Fallait que j'aille plus vite. C'est Raiden, est-ce que je vais jouer à Dark Souls Remaster? Je sais pas. Je suis pas super hypé. Donc je sais pas. Pour le moment, ça penche plus du côté non, en fait. Nous sommes pièces pour le passeur. Pour le passeur. Quel côté? Mais bon. Tiens, ben putain. En fait, fallait pas que j'attende que la corde se casse d'elle-même. À chaque fois, j'attendais que la corde se casse, mais en fait, non, pas besoin. Intéressant. Ils embaumaient leurs morts. Ah, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? En fait, c'est tout con ce truc. Savoir anatomique. Localiser l'emplacement du cœur des animaux en utilisant l'instinct de survie ou en visant vos proies. Tirer dans le cœur permet d'infliger de lourds dégâts, c'est-à-dire sans effet sur les animaux à peau épaisse, les ours et les félins. Ah, ouais, carrément! Je viens juste d'apprendre qu'on pouvait changer de d'angle quand on visait, c'est cool. Un calice en or, digne d'un roi ou d'un prophète. Il a été fabriqué ici, à Kitège. À Kitège, ok. Bah, le problème avec le Dark Souls Remaster, pour moi j'ai l'impression que ça va être... Bah, ça va être fun au début peut-être, mais... Après, bof quoi. Il y a quand même. Enfin, ça fait cher le remaster.
Pour ce qu'ils ont fait dedans, ça fait vraiment cher le remaster. C'est... Parce que c'est quasiment la même chose. Enfin, c'est la même chose. Enfin, je sais pas. Si j'avais eu genre 1€ à chaque fois qu'on m'a demandé si j'allais jouer à Dark Souls Remaster, je me serais déjà précommandé. Par exemple. Mais En tout cas, moi je suis hypé pour Jurassic World. Pour le moment. C'est tout ce qui vient prochainement. Bon, après il y a Agony aussi, mais bon, ça on verra plus, enfin, on verra quand ça sort ce que ça va être, mais pour l'instant j'attends seulement le Jurassic World Evolution et après on verra. Ah. J'entends des mecs. Ah oui, c'est les copains. Les copains. Faut faire quoi là pour ça? Outils perfectionnement, ok. D'accord, d'accord. Bon, on n'a pas ça. Et outils d'optimisation. Ok, cool. 50 balles pour Blighttown qui lag pas. Ça fait cher. Allez, on y va. Non, merde, c'est où? Ok, c'est à droite. C'est ça. Baba Yaga arrive sur la scène. La scène du jeu, l'Acropole. À la poule. Jacob, c'est un vrai carnage ici. Il n'y a aucune trace de votre peuple. Sophia a dû les conduire dans les catacombes, sous la tour. Et j'ai perdu le contact avec elle. Très bien. Je vais voir là-bas si elle y est. On a presque fini d'évacuer les blessés ici. Je vous rejoins dans peu de temps. Nous avons eu vent de l'arrivée du prophète à Constantinople, mais nous avons choisi de l'ignorer. La grande cité a toujours attiré les fous et les imposteurs se réclamant de Dieu. Nous avons entendu d'étranges histoires sur les miracles du prophète, mais nous n'avons pas cherché à le rencontrer. Et puis, nous l'avons entendu parler. La vérité limpide de son discours a déferlé sur le forum de Constantin. Il a affirmé ne pas parler au nom de Dieu, car nul ne le peut. Mais sa sagesse était infinie. Et personne dans l'assistance ne doutait de ses paroles. Je dois en apprendre plus sur lui. Je dois l'entendre à nouveau. Pas mal. Je regardais tous les playthroughs de Dark Souls. Bon travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment et heureux que ça plaise. Viens ici. Viens ici la poule. Qu'est-ce qu'il avait dit lui? Sous le pont. Par là.
Ah merde. Paul. Vol. Voilà. Merde, elle est où? Oups. Elle a peut-être... elle a dû apprendre à voler. Elle a dû apprendre à voler. Je vais pas courir, mais je vais pas sauter courir, merci. Il y a rien. Même les parois, elles s'illuminent. Putain, elles s'illuminent bizarrement. Non. Hop là. Il y a quoi en dessous? La mort, ok. Oh, c'est cool. Ah. La guerre. Magnifique. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je dirais que oui, mais... Après, hein. C'est pas vrai. Pièce de pistolet lourd. De... Un truc là. L'incendie fait toujours rage dans les quartiers extérieurs. Merci. J'ai envie de tester le coup des poulets sur les gens. Voir si ça marche. Elle est chiante, elle veut pas sprinter. C'était quoi derrière? Ah. Une petite lézole. Il y a ici la poule. Attends. C'est un reliquaire. Un coffret qui servait à conserver les reliques des saints. Ça pouvait aller des dents, aux doigts, en passant par la tête entière. Celle-ci appartiendrait au prophète. Il est vide. Ah ! Oh, quelle déception. Liquidez-les! Ne tirez pas! Nous allons... On est loupé un. Va falloir être plus minutieux. Faites-moi un état des lieux. Tout est calme ici. L'équipe 4 est en train de fouiller les tunnels à la recherche de l'Atlas. Tu attends Dead Space 4? Moi je dirais que t'aurais plus de chances d'essayer un autre monde en fait. Essaye un monde parallèle. Peut-être que il y a des chances que tu joues à Dead Space 4. Mais dans le nôtre de monde, ça va pas être possible. Retourne-toi, comme ça je peux les rendre fous, ça serait cool.
quoi ce bruit? Je vais voir. T'éloigne pas. On va la faire à la Metal Gear. Ils savent directement où je suis, par contre, ça c'est relou. Mais tire bien. Rien que toi et moi. Qu'est-ce que c'est simple de leur mettre des headshots, putain. Tellement simple de leur mettre des headshots. Maintenant j'y vais tellement à la bourrin à la place de la faire silencieusement. Mais bon, t'es fan. Mais ouais, non, mais Dead Space, c'est fini, hein. C'est vraiment fini. C'est con, parce qu'en plus, l'histoire devenait intéressante. Enfin, moi, j'aimais bien déjà l'histoire de base. Et sur la fin du 3, on revenait sur Terre, quoi. C'était vachement intéressant. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et puis, voilà. C'est fini. On va prendre le jerrycan. Juste au cas où. Si on peut en faire une bombe. Enfin, on peut en faire une bombe, mais si on en a besoin. J'aurais peut-être pas dû l'allumer. Si ça pète pas ou d'un moment. Que ça allait... Je pensais pas que ça allait faire une explosion, une super explosion en fait. Je pensais brûler l'autre, brûler un, celui-là de gauche, et après poignarder celui-là de droite. En fait non. Cover, elle est cool, mais elle s'active en fait automatiquement, c'est un peu dur des fois de... Enfin ouais, non, c'est pas mal en fait. Faut que je l'utilise plus souvent. Après pour les jeux à la Dark Souls, il y a... Code Vein qui va arriver cette année normalement. Donc ça va être intéressant. Je pense que ça va être beaucoup plus intéressant que refaire encore une fois Dark Souls en fait. Il le sort juste avant pour que les gens, enfin pour que ça se vende, mais bon. S'il le sortait après Code Vein, ça serait une toute autre histoire. C'est pour faire patienter les gens.
Bombe. Ou cocktail. Cocktail, c'est pas mal aussi. Oh putain de merde. Merde. Ah, m'a fait peur cette conne. Ok, la bouteille a rien. Oh, attends. Ces enfoirés sont loin d'être cons. Ils ont peut-être posé des pièges. T'inquiète pas, je tire sur tout ce qui bouge. Oui, c'est de FromSoft, Code Vein. C'est juste Code, plus loin, Vein, V-E-I-N. Non, où tu vas? À ton tour maintenant. Ok, d'accord. Y'a rien derrière? Si, y'a plein de trucs, putain. Ah merde, y'a quelqu'un, je dois l'aider. Attends, tiens bon mec. Attends, attendez, le tuez pas. J'arrive. J'aime cette méthode, je le reconnais. On n'obtient rien quand on manque gentiment. Où est-ce que tu te caches? Et voilà. Oh, dur. Détache-moi. Je vais tous les tuer jusqu'au dernier. Du calme, Sophia. Du calme. Tu as vu cette boucherie? C'est la guerre. On va se remettre de tout ça. Bah non. Peut-être tu vas pas te remettre. Notre peuple s'est déjà assez sacrifié. C'est notre devoir. Je me suis trompée sur toi. Dis-moi ce que je peux faire pour aider. Je dois emmener les autres en lieu sûr. Mais l'entrée des catacombes est obstruée. Je vais vous la dégager. Ça va aller, tu vas voir. C'est de l'autre côté que ça bloque. Vous n'étiez pas obligé de nous aider. Je saurai m'en suivre. Lara, il faut trouver un moyen de débloquer le passage. Y'a personne qui a eu l'idée de faire ça. Tiens bon. Par contre, les corps ont disparu. Hein. Donc, que dalle. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. C'est, ils appellent ça le. Le Dark Souls animé en fait, genre manga, parce que à cause des graphismes. Mais apparemment oui, ça va être du Dark Souls quoi, enfin du Dark Souls-like, on va dire. Cette fresque représente le moment où ils ont trouvé la vallée. Donc ça risque d'être intéressant. Elle a dû leur sembler paradisiaque. La voilà. Je peux peut-être la débloquer d'ici. C'est des connards ? Ouais, c'est des connards. Les catacombes. On y sera en sécurité. Mais... Attends, c'est des méchants ou des gentils ? Parce que moi, je fous du feu, là, moi. C'est des gentils. Pile ce qu'il me faut. Ah. Ah non, explosif. Ça devrait le faire. Ah yes, flèche explosive. Elle est douée cette Lara quand même. Flèche grenade. Comment on fait des flèches grenades? Ouais, ça va, on a plein de matériel. Pardon. Une amulette en forme de cerf, taillée dans un bois. Ça pouvait être un objet important, ou un jouet d'enfant. Sûrement un jouet d'enfant. Allez, on y retourne, on va faire péter ça.
Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Wouhou! Merci, Lara. Ils sont en sécurité dans les catacombes. Je sais que tu recherches la source divine, mais mon peuple la protégera jusqu'à la mort. Ton peuple est déjà en train de mourir. Vous ne pourrez pas la protéger éternellement. On l'a bien fait jusqu'à maintenant. Mais pour l'instant, je suis contente que tu sois notre allié. Et ils convergent vers la tour. Certains sont encore là-bas. On va les tuer ? Emmène les autres en lieu sûr. Ils ont besoin de toi. Parce qu'en gros, Lara, elle est là pour la... Elle est juste là pour la... La source de vie, là. Elle s'en fout complètement des gens. Bon, après, elle est gentille, donc elle aide, mais... au final, elle s'en tape. Hein. Elle s'en cogne complètement. Donc, s'il reste à la protéger, la source, ça va mal finir. Mon père a disparu. Hier soir, je lui ai parlé des envahisseurs. Yeah. Bien sûr, c'est une énigme. Mais si je me trompe pas... La suite au prochain épisode. Alors, compétences... flèche au napalm, améliore les flèches incendiaires pour étendre le rayon de l'explosion à l'impact. Flèche mirage mortel et multibombe. Les flèches grenades sont améliorées et dispersent des explosifs supplémentaires à l'impact. Ok. Flèche bombe nucléaire, allez go. On doit aller où ? On doit aller là. Ok.